Bruguière, qui se vit actuellement et qui a commencé il y a plusieurs années. Et spécifiquement, il y a les cas de femmes parce que notre situation est tellement spécifiquement liée à la violence basée sur le genre et spécialement la violence sexuelle que subissent les femmes comme arme de guerre. Ces femmes qui ont la force encore de marcher, qui ont la force de fuir, ces femmes qui ont peur de subir les mêmes atrocités, elles sont obligées de quitter leur village, elles sont obligées de quitter leur communauté, elles sont obligées de quitter leur pays pour fuir ces atrocités. Et aussi, il y a des femmes qui se sont constituées en défenseur de droits des femmes, ces femmes qui plaident et ces femmes qui veulent que toute l'humanité comprenne leurs histoires. Un nombre très très élevé de femmes qui demandent asile, des femmes qui doivent carrément quitter leur foyer, leur village. Avant, les femmes ne pouvaient pas parce que se disaient, il y a des enfants, comment elles vont partir avec des enfants? Et maintenant, c'est des femmes et des enfants qui sont sur la route de l'exil, qui sont sur la route de migration. Les femmes ne migrent pas. Les femmes sont réfugiées.